Cette première présentation se veut quelque peu introductive. Il s'agit peut-être de définir notre sujet, puisque notre sujet est nouveau. On n'a pas toujours besoin, au début d'un séminaire, d'un colloque, de définir son sujet, mais là, je crois que cela peut quelque peu s'imposer, puisque le terme jurimétrie, eh bien non, il n'est pas dans le dictionnaire. Il n'est pas dans les dictionnaires juridiques, il n'est pas dans le dictionnaire de droit commun, de droit commun, de sens commun, et donc nous avons peut-être besoin de proposer une définition de la jurimétrie. Alors, je ne prétends pas régler le sujet définitivement, que ce soit clair. Ce n'est qu'une présentation et la définition que je vais vous exposer, c'est celle qu'ont retenue à cinq, donc à 10 mains, les organisateurs de ce premier événement. Donc, elle ne m'est pas entièrement propre et je la partage avec d'autres. La jurimétrie a été utilisée en tout cas par le CNB, par le Conseil national des barreaux. Il s'agissait de remplacer le terme de justice prédictive. Dans la communication des avocats, il faut donc bannir ce terme de justice prédictive pour le remplacer par jurimétrie. Il y a des choses intéressantes dans cette proposition. D'abord, très certainement, le predictive justice de l'anglo-américain ne se traduit pas par justice prédictive. Je pense que ni l'adjectif ni le substantif sont correctement traduits par cette expression. Donc, le terme de justice prédictive qui laisserait penser à un fantasme de juge robot, de divination, ce n'est pas ce que les entreprises qui font de la jurimétrie proposent. Donc, il est de bon augure de remplacer ce terme. Le remplacer par jurimétrie est un peu réducteur s'il faudrait entendre par là que la jurimétrie se résume à ce que l'on appelait autrefois justice prédictive. Il est certain que chercher à établir des probabilités, des prévisibilités de décisions de justice, c'est faire de la jurimétrie, mais on peut certainement faire de la jurimétrie en faisant autre chose. Autrement dit, la jurimétrie est plus large que le champ de la justice prédictive. Nous vous proposons cette définition. La jurimétrie serait l'ensemble des méthodes de l'étude du droit qui traite par les mathématiques les données statistiques relatives aux phénomènes juridiques afin d'en améliorer l'analyse ou d'en dégager des lois ou des relations constantes. Il y a donc des moyens, une méthode, une démarche, l'utilisation des mathématiques. Il s'agit de mesurer. Mais il y a aussi une finalité, et cette finalité, c'est de produire de la connaissance. Que cette connaissance soit relativement générale, académique, ou qu'elle soit pratique, utile directement sur un cas, c'est dégager des savoirs que de faire de la jurimétrie. On va donc évoquer les moyens, la finalité qui ressortent de la définition proposée. Au titre des moyens et de l'objet, quelque part, on a évoqué l'utilisation des mathématiques. Mais tout usage des mathématiques en lien avec le droit n'est pas nécessairement de la jurimétrie. Alors, bien sûr, il y a des étudiants qui croyaient, en choisissant d'étudier le droit, pouvoir échapper aux mathématiques. Et après, ils sont un peu surpris, décontenancés, parfois paniqué, je me tourne vers les anciens étudiants qui ont survécu. Néanmoins, quand il s'agit de calculer une récompense en matière matrimoniale, quand il faut régler le recours des tiers payeurs, taxer un acte, apprécier une lésion immobilière, bon, on ne va pas très loin. En principe, nous sommes sur des règles de trois, des calculs de proportionnalité. Mais quelquefois, il faut aller, pour bien comprendre les choses, un petit peu plus en avant. Et si, alors, une parenthèse, je vous prie de m'excuser, ce n'est pas un séminaire de dommages corporels, mais travaillant un peu plus ce domaine que les autres, mes exemples seront principalement choisis en dommages corporels. Bien sûr, ce n'est pas exclusif. Et quelquefois, il faut aller un peu plus en avant pour apprécier l'évolution, enfin, la conséquence de l'évolution d'un quotient de mortalité sur un barème de capitalisation des rentes. Il faut faire un peu plus de mathématiques qu'une règle de 3. Quand il faut choisir entre un salaire moyen ou un salaire médian pour indemniser une perte de gain professionnel pour une victime qui n'a jamais travaillé, il faut savoir ce qu'est une médiane, savoir ce qu'est une moyenne, et arriver à apprécier la pertinence de l'option pour l'une ou l'autre branche. Et puis, il y a aussi des
modélisation. Des modélisations du raisonnement juridique, mais qui porteraient sur le droit et non sur les phénomènes juridiques. Et je crois que c'est un des principes importants, et je reviendrai ensuite là-dessus, la jurimétrie ne prétend pas décrire le droit au sens d'abstraction. Elle prétend décrire, mesurer des phénomènes juridiques, c'est-à-dire la traduction concrète, sociale du droit, et non pas le droit lui-même. On peut modéliser la production d'une décision de justice, ça sera de la jurimétrie, puisque l'on parle d'un phénomène social. On peut aussi modéliser, pourquoi pas, les normes de droit, le raisonnement juridique, mais ce n'est pas exactement de la jurimétrie. Toutes ces utilisations des mathématiques en droit que je viens de vous présenter ne sont pas, me semble-t-il, de la jurimétrie, soit parce qu'il s'agit juste d'avoir des connaissances sur le droit et non pas sur les phénomènes juridiques, soit parce qu'il s'agit d'utiliser les mathématiques pour mettre en œuvre la règle de droit et non pas pour essayer de produire des connaissances. En revanche, on a bien sûr des outils mathématiques qui sont largement utilisés dans l'idée de jurimétrie. Deux grands types, ce n'est peut-être pas exclusif, mais on va avoir tout ce qui est statistique d'un côté, tout ce qui est modélisation du raisonnement de l'autre. Alors, les outils statistiques sont relativement évidents. Une fois que les données ont pu être mises en forme, on peut calculer des moyennes, des écarts, des médianes, on peut faire des courbes de tendance, on peut essayer d'avoir des représentations graphiques. La tâche n'est déjà pas toujours simple. Mais il est aussi possible, et notamment avec le recours à l'intelligence artificielle, de modéliser le raisonnement pour arriver à réfléchir à la manière dont se noue un contrat, à la manière dont se décide un litige. Ce n'est pas si simple que d'utiliser les mathématiques lorsque l'on veut les appliquer au droit. En effet, nous sommes quelque peu aveugles sur les phénomènes juridiques. Les contrats, et notamment les transactions dont l'étude est évidemment importante pour contrebalancer l'étude de décision judiciaire, les contrats en principe ne sont pas publics. Il n'y a pas de base de données de contrat. Il est donc extrêmement difficile de savoir ce qui se contracte, encore une fois, qu'il s'agisse de transactions ou pas. Donc on a tout un champ des phénomènes juridiques sur lequel on est quasiment aveugle. Et puis, même si l'open data avance, trop doucement, j'imagine, pour certains, même si des trésors d'ingéniosité sont déployés ici ou là pour aller chercher des décisions de justice en mettant à contribution les greffes, les utilisateurs qui les partageraient, eh bien, nous n'avons que très peu de décisions de justice. Certes, on accède aux décisions des juridictions suprêmes, Cour de cassation, Conseil d'État, on accède de plus en plus, désormais de manière assez large, sur les décisions de cour d'appel, mais les décisions de première instance, les décisions des juridictions spécialisées, on n'a quasiment pas accès. Même lorsque l'on a accès à ces corpus, le problème est que les données ne sont pas structurées. Je parle essentiellement des décisions ici, on ne rend pas une décision pour permettre les calculs sur cette décision. On rend une décision pour dire le droit, pour qu'elle soit exécutoire et qu'elle produise des effets de droit. À partir de là, il y a un style des jugements. Certains en ont fait des ouvrages, mais ce ne sont pas des manières de structurer mathématiquement la décision. Ce sont des manières de la structurer juridiquement. On peut entraîner des algorithmes pour arriver à repérer dans une décision ce qui appartient aux faits, ce qui appartient aux motifs, ce qui appartient au dispositif, fort bien. Parce qu'il y a un début de structuration, il y a des formules répétitives, habituelles. Par ces motifs, on l'apprend aux étudiants de première année, donc je pense qu'on peut l'apprendre à un algorithme. Ce qui suit par ces motifs, ça s'appelle le dispositif. Mais ceci mis à part, les données ne sont pas réellement structurées, elles sont très imparfaites. Pour revenir sur le dommage corporel, rien n'interdit à un juge de
globaliser le préjudice esthétique temporaire et le préjudice esthétique permanent. Rien n'interdit à un juge de faire ou de ne pas faire dans son dispositif le décompte détaillé des postes de préjudice. Certains ne mettent que la totalité, d'autres font le détail dans le dispositif. Et ceux qui mettent que la globalité, eh bien, il faut se référer au motif pour avoir le compte détaillé. Et puis, bien sûr, il y a un certain nombre de décisions qui ont des coquilles, 10, qui sautent, hein, zéro en trop, cela arrive. Il est encore difficile, pour utiliser des outils mathématiques sur le droit et notamment sur les décisions de justice, il est difficile de prendre en compte la diversité des données et les paramètres et les problèmes de comparaison. Il y a une foule de renseignements dans une décision de justice. Tout n'est pas absolument nécessaire, n'est pas absolument important. Mais comment aller chercher les choses? Et puis, dans ce que l'on va chercher, si on cherche des unités monétaires, par exemple, si on cherche à savoir des prix, mais toutes les juridictions françaises ne statuent pas en euros, il y en a qui statuent en francs pacifiques, il faut arriver à le prendre en compte. Et puis, les règles d'application de la loi dans l'espace font que quelquefois, on va se servir d'un référentiel, par exemple, pour évaluer un salaire moyen, qui n'est pas du tout le référentiel des données françaises, parce que la victime, certes, se fait juger en France selon le droit français, mais les données pertinentes sont à l'étranger. Dès lors, la comparaison est difficile. Ce que l'on mesure varie dans le temps, varie dans l'espace. Et puis, alors, c'est difficile à dire alors que les tribunaux sont bouchés, qu'ils sont submergés par les demandes, il n'y a que très peu de décisions de justice. Des milliers, des dizaines de milliers, certes, mais par rapport au nombre de paramètres étudiés, ça reste très peu. L'open data, ce n'est pas le big data. Le big data, c'est Google qui arrive à rassembler des données sur des millions, des dizaines de millions d'utilisateurs qui vont faire un certain trajet, qui vont avoir un certain comportement en ligne. C'est Amazon qui peut regarder le cheminement dans son magasin en ligne de dizaines, de centaines de millions de consommateurs. Là, on peut parler de big data. Mais parler de quelques milliers de décisions de justice, ce n'est pas du big data. Lorsque l'on fait de la jurimétrie, je vous l'ai dit, on ne prétend pas avoir un discours sur le droit en lui-même. On ne peut pas avoir un discours essentialiste. On peut en revanche avoir un discours sur les phénomènes juridiques. Et il y en a trois grands types. Des textes normatifs, la loi, le règlement, mais pourquoi pas aussi des sources privées. Des actes juridiques, y compris les transactions et les décisions de justice. C'est ainsi que le droit manifeste son existence dans la sphère tangible, dans la sphère sociétale, et cela peut former l'objet de l'étude jurimétrique. On peut s'en saisir de bien des manières. On peut s'en saisir soit de façon numérique, on va compter, on va regarder la fréquence. On va regarder un volume. Vous savez, ça plaît aux journalistes, en principe, de regarder à quelle vitesse le code du travail, par exemple, s'épaissit. Il y a des études qui sont sorties il y a peu, j'ai vu sur les réseaux, qui montraient quelle était la croissance en nombre de signes sous le précédent quinquennat de différents codes, et savoir quel était celui qui allait le plus croître. Mais on peut aussi avoir une approche non quantitative, une approche booléenne en termes de oui, non. On regarde par exemple quand le juge va décider une culpabilité ou une absence de culpabilité, quand il va aller à la cassation, quand il va aller au rejet, quels sont les phénomènes qui vont pouvoir conduire à l'un ou à l'autre de ces décisions possibles. Illustration des difficultés de la jurimétrie et de la nécessité, je crois, dans toute étude jurimétrique, de bien insister sur la méthode utilisée. Supposons que nous nous posions une question, les escroqueries sont-elles plus ou moins sévèrement réprimées que les vols?
délinquance un peu violente, une délinquance d'astuce, ce ne sont pas les mêmes, bien, on pourrait appeler la jurimétrie pour chercher à répondre à cette question. Mais est-ce que l'on regarde les peines encourues? Il suffit pour cela de lire le code pénal. Les peines prononcées, ça sera véritablement une approche jurimétrique. Le taux de condamnation parmi les personnes qui sont présentées à la justice, combien sont-elles condamnées? Les taux de poursuite par rapport aux faits que les sociologues arrivent à retrouver dans la population, combien a-t-on de réponses pénales? À chaque fois, on répond à la question, est-ce que les escroqueries sont plus ou moins sévèrement réprimées que les vols? Et pourtant, vous voyez que le corpus d'études et les méthodes utilisées ne seront pas du tout les mêmes. De la même manière, des choix encore à faire. Si on se posait la question de dire quelle est l'indemnisation qui est donnée en moyenne, en médiane, en écart, peu importe, sur un poste de préjudice, l'incidence professionnelle. C'est un poste qui est soumis à recours des tiers payeurs, donc c'est-à-dire une rente accident du travail, on considère qu'elle répare ce poste. Une partie de l'indemnisation de ce poste ira à la sécurité sociale et non pas à la victime. Alors on prend la somme avant ou après? Et puis si la victime a une indemnisation partielle parce qu'elle était en faute, parce qu'elle a simplement une perte de chance, est-ce que l'on redresse pour avoir la valeur donnée au poste ou est-ce que ce qui nous intéresse, c'est ce qui est effectivement donné à la victime? Si jamais la victime décède entre la consolidation et la décision ou la transaction, le poste doit être indemnisé, mais proratisé entre l'espérance de vie de la victime totale, espérée selon l'étape de mortalité, et celle qui a véritablement été la sienne. On prend en compte ce qui est donné ou ce qui a été évalué comme valeur du poste. Et puis, si on a donné, parce que, par exemple, on considérait que l'incidence professionnelle avait pour vocation à intégrer la perte de droit à la retraite, on fait une capitalisation habituellement. Est-ce que l'on prend la somme capitalisée? Si c'est capitalisé, oui, mais si on sort sous forme de rente, est-ce que l'on capitalise ou pas? Et puis, en principe, à deux exceptions près, les juges capitalisent mal d'un point de vue mathématique cette rente différée. On corrige leur erreur ou on la laisse? Autre exemple de difficulté de traitement sur les choix de variables à prendre en compte, et ce sont des choix qui sont politiques, est-ce qu'il faut prendre en compte le genre lorsque l'on fait des études jurimétriques? Si, à partir de là, on doit sortir un référentiel ou un outil prédictif, il y a un risque, c'est de reproduire des biais de genre qui existeraient dans le corpus étudié. Le fait de ne pas étudier le genre, de volontairement l'occulter, cela élimine le biais. Mais est-ce que c'est une bonne chose? On sait que les hommes et les femmes ne gagnent pas la même chose. Donc l'indemnisation des pertes de gains professionnels, ce n'est pas la même chose. On sait, et je le regrette, croyez-le bien, mais les femmes font plus de tâches ménagères et les hommes ont plus de loisirs. Les tâches ménagères, on n'a pas de préjudice ménager en France, donc ce n'est pas indemnisé. Par contre, et nous avons un préjudice d'agrément qui vient réparer la perte des loisirs. Les hommes ayant plus de loisirs, il y a une certaine logique, contestable peut-être, une certaine logique à sujeter une meilleure indemnisation de leur préjudice d'agrément. L'indemnisation du déficit fonctionnaire temporaire, je vais vous en parler. Mais au-delà de ces exemples, je suis désolé, encore une fois, pris en préjudice corporel, le rôle de débiteur ou de créancier de pension alimentaire pour arriver à prédire devant un cas si le juge donnera véritablement une pension alimentaire, ou plus exactement, même j'aurais dû dire, une prestation compensatoire. Tout dépend de paramètres économiques, et ceux-là sont genrés. Les condamnations pour violence volontaire, on sait que c'est une infraction qui est plutôt masculine que féminine. Si on regarde les taux de condamnation, on risque d'échapper. Un exemple d'une étude que j'ai menée il y a peu qui prend en compte le genre. À propos de la base journalière du déficit fonctionnel temporaire. Donc, pour ceux qui ne sont pas familiarisés avec le dommage corporel, c'est un certain nombre de troubles dans les conditions d'existence et bien encore d'autres choses que l'on souffre essentiellement pour simplifier quand on est hospitalisé, par exemple. Sur la première ligne, vous voyez les demandes qui sont faites par les victimes et vous voyez qu'on est dans l'épaisseur du trait entre les femmes à gauche et les hommes à droite. Sur la deuxième ligne, on voit les offres. Là encore, on n'a pas de différences significatives entre les hommes et les femmes. Sur les décisions, on a plusieurs euros d'écart, que ce soit en moyenne ou en médiane, en faveur des hommes et en défaveur des femmes. Je ne sais pas me l'expliquer.
Je l'ai observé, je ne sais absolument pas lui l'expliquer. Il faut aussi penser, et je commence à être en retard, mais il faut aussi penser à l'écoulement du temps. Supposer un algorithme parfaitement entraîné qui, en 2000, alors certes, il n'existait pas à l'époque, mais supposons qu'il existe, à qui, à 2000, on aurait demandé de liquider une succession dans laquelle il y avait un enfant adultérin. Cet enfant aurait évidemment appliqué les règles du droit, qu'on les nourrit avec le code civil ou avec la jurisprudence, il aurait diminué la part successorale de l'enfant adultérin. En 2000, vient l'arrêt Mazurek. On ne peut plus faire ainsi. Le droit a évolué avec le temps et rend caduque toute étude quantitative qui aurait été menée antérieure. Et puis, on a aussi un bouleversement socio-économique qui peut avoir un effet sur le droit, et pour ne parler que de l'inflation. Aujourd'hui, l'INSEE mesure l'inflation à plusieurs points. Est-ce que quand on traite d'un point de vue jurimétrique une décision de 2019, il faut qu'on l'actualise en prenant en compte l'inflation depuis 2019 ou pas? Nous avons dit que le droit concernait, pardon, que la jurimétrie concernait non pas le droit, mais les phénomènes juridiques, actes juridiques, textes normatifs, décisions de justice. Et puis, bien sûr, la sociologie nous apprend qu'il y a des phénomènes sociaux qui ne sont pas juridiques. Le langage, la vie religieuse, encore que pour la vie religieuse. Il y a surtout une immense zone grise entre les deux. Quand on parle de récidive, de criminalité en droit pénal, quand on parle de couple, de filiation, on est à la frontière entre le phénomène purement social et le phénomène juridique. Et encore, la jurimétrie a certainement des choses à dire, mais il faut qu'elle se matine d'études sociologiques pour pouvoir être pertinente. J'avais évoqué la finalité de la jurimétrie. Il y a une recherche de connaissances. Connaissance. Une première difficulté est que, dans un certain nombre de cas, essayer de connaître les phénomènes juridiques, c'est s'exposer à des boucles de rétroaction. Alors, pas dans tous les cas. Bien sûr, si vous vous amusez à calculer le délai moyen d'une procédure, quels que soient vos résultats, cela ne va ni accélérer ni ralentir les procédures en cours. Mais lorsqu'il est question, comme le proposait par exemple l'expérience DataJust, de créer à partir de données jurisprudentielles des référentiels qui serviraient de modèle à faire ensuite des décisions. Là, il peut y avoir une boucle de rétroaction. En matière de dommages corporels, M. Mornay fait un référentiel qui a une autorité considérable. À l'automne 2020, il a décidé que le prix du point de DFP devait être augmenté de 10%. Officiellement, il a justifié ceci par une tendance haussière des décisions de justice. Il me semble, pour ma part, qu'en réalité, dans leur très grande majorité, les juges suivent exactement le prix du point et que c'est le changement de référentiel qui a provoqué l'augmentation de l'indemnisation dans les décisions et non pas le contraire. Ces boucles de rétroaction sont relativement dangereuses. Sur cette petite image, je propose une expérience de pensée. Supposons qu'en année 1, un référentiel indique une valeur de 100 et que ce référentiel soit mis à jour chaque année avec des décisions qui ont été rendues que l'on imagine parfaitement connues. Et sur la courbe bleue, on suppose que le référentiel se nourrit de décisions, mais que les juges ont tendance, c'est leur liberté, a donné en moyenne 5% de plus que ce qu'indique le référentiel. Sur la courbe orange, il donne en moyenne 5% de moins. Vous voyez que, après quelques années, la valeur de départ a été absolument bouleversée. C'est la traduction de ces boucles de rétroaction. On pourrait encore se servir de la jurimétrie pour évaluer la pertinence du droit, de l'activité législative, de l'activité judiciaire, comme des autres politiques publiques. Après tout, il y a des tendances sur l'évaluation des politiques publiques et les politiques juridiques en font partie. Est-ce que les amendes de 3 à 30 euros, dont l'article 50 du Code civil menace les fonctionnaires chargés de l'état civil, réalisent vraiment un contrôle social opportun contre les dérives desdits fonctionnaires? Existe-t-elle d'ailleurs? Je ne sais pas, mais
peut-être que l'on pourrait, en généralisant cette idée de jurimétrie, s'attacher à ceci. Peut-être le droit gagnerait-il à être pensé, le droit sous-entendu comme phénomène juridique ici, comme un système chaotique. J'ai volé cette illustration sur Wikipédia, tout simplement. Il s'agit d'un double pendule de Newton dont le comportement peut être exactement modélisé sous forme mathématique. On peut écrire l'équation du comportement de ce pendule. Mais une minime différence dans la mise en mouvement de ce pendule arrive à la fin à des comportements complètement différents ici entre les deux pendules. C'est hypnotique, hein, je vous ainsi. Peut-être le droit est-il un système chaotique, au sens où une minime différence dans la preuve, dans le rapport d'expertise, va faire que une affaire va avoir une issue complètement différente d'une autre, encore une fois en raison d'un tout petit détail au début. Le droit est un système sensible aux conditions initiales, ce qui rend la prévisibilité de décision difficile. Il y a aussi une part d'aléatoire dans le droit qui rend impossible la prédiction, mais rend possible en revanche la prévisibilité. Je convoque ici la figure rabelaisienne du juge Bridoux, qui sentençoit les procès sur le sort des dés. Ce qui est intéressant quand on lit Rabelais, c'est que Bridoux, ce n'est pas une figure complètement ésotérique, bizarre, rejetée. Bridoux dit par 20 fois au moins, je fais comme vous, messieurs, je pose les sacs de chaque partie, de chaque côté de la table, et comme vous, messieurs, je lance mes dés pour décider. Si l'affaire est sensible, je prends des petits dés. Si c'est un peu plus obscur, je prends des plus gros dés. Enfin, on peut faire varier la taille des dés, mais toujours on lancera des dés. Et pour Rabelais, on sait qu'il n'est pas tendre avec les juristes. Pour Rabelais, tous les juges font ceci. Il y a certainement une part d'aléa. Encore une fois, cet aléa, il faut bien le comprendre. Ça ne s'oppose pas à un calcul de probabilité. Si on part vraiment sur les dés, aucun algorithme, aucun ordinateur n'est capable de prédire le résultat d'un lancer de dés. Par contre, on sait très bien que si je lance deux dés à la fois, j'ai une probabilité beaucoup plus grande de faire 7 que n'importe quel autre chiffre, et a fortiori que 2 ou 12. Il y a donc une possibilité, même si on accepte la part d'aléa du droit, de faire des prévisions sur les solutions, même si on ne fera jamais de prédiction. Je souhaite terminer sur une citation que j'ai retrouvée en préparant cette intervention de Guillaume Zambrano, qui a la prétention, mais prétention je crois vraiment bienvenue, d'assigner par la jurimétrie un nouveau défi à la science du droit. Au XIXe siècle, finalement, le défi de la science du droit, c'était d'expliquer le code civil, c'était l'exégèse. Au XXe siècle, le défi de la science du droit, ça a été, et c'était le projet de la fameuse revue trimestrielle de droit civil, ça a été d'étudier la jurisprudence. Il y a peut-être qu'au XXIe siècle, le défi de la science du droit, c'est de prendre en compte les méthodes empiriques pour arriver à une meilleure connaissance des phénomènes juridiques et peut-être de laisser un peu de côté la dogmatique qui prétend nous renseigner sur l'essence du droit. Est-ce que finalement ce dont nous avons besoin de connaître l'essence du droit? Est-ce que ce qui est intéressant, ce n'est pas plutôt de connaître les tenants et les aboutissants des phénomènes juridiques? Je vous